25 années sont passées depuis le décès tragique de Lady Di, mais le souvenir de la princesse de Galles est encore bien présent dans la mémoire de son fils. Dans une interview accordée au journal The Big issue à l'occasion de son 40e anniversaire, ce 21 juin 2022, le prince William a fait part de son désir de conduire ses enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, sur les traces de leur grand-mère. Dans les années qui viennent, le duc de Cambridge espère en effet emmener ses enfants rendre visite aux organismes fantastiques travaillant pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Exactement comme l'a fait ma mère, précise le fils aîné de Lady Diana. Dans les colonnes de The Big Issue, le prince William explique avoir développé un intérêt pour la cause des sans-abri en visitant un centre d'accueil avec sa mère et son frère, alors qu'il n'avait que 11 ans. Dans son propre style inimitable, elle était déterminée à faire la lumière sur un problème négligé et mal compris, se souvient-il, bien déterminée à transmettre à ses enfants cette incroyable volonté d'aider, qu'avait sa mère. Le sans-abrisme, cette cause qui tient très à cœur au prince William depuis le début de sa carrière pour le compte de la famille royale, le prince William met un point d'honneur à venir en aide aux sans-abri, notamment aux jeunes. En novembre 2017, à l'occasion d'un gala de bienfaisance pour l'association Centrepoint, qui vient en aide aux jeunes sans-abri de 16 à 25 ans, Seyi Obakin, le président de l'organisation, avait déclaré « Nous étions son tout premier parrainage et nous ne l'avons jamais vu plus engagé pour mettre un terme au sans-abrisme des jeunes. » Si est-il une cause difficile, une grande vision, mais nous pensons que cela peut être fait.